On l'appelle Oum le dauphin, dans son royaume aquatique. On se raconte sans fin ses aventures fantastiques. Il a le poil blanc comme l'hermine, des yeux bleus qui s'illuminent jusqu'au fond des gouffres amers, le chevalier des mers. Il existe sous le soleil une crique où l'on est toujours en vacances, comme Marina, qui a presque 7 ans, et son grand frère, Yann, un intrépide plongeur. Leur copain, c'est Jean-Sébastien, le ménate, le plus bavard des oiseaux. Raoul, le koala, est devenu la poupée de Marina. Et le paresseux, Flemme, met toujours 24 heures pour aller au bout de sa branche. Yann s'en va retrouver ses amis les poissons, en attendant le retour de l'oncle Patrick. Va vite, Jean-Sébastien, et dis bien aux enfants que je rentrerai un peu plus tard, juste pour le dîner. Oh non, oncle Patrick, tu sais bien que j'ai le vertige au-dessus de l'eau. Alors il ne fallait pas venir. Allez, hop! Ton frère n'est pas rentré? Ah si, le voilà! Yann! Yann! Ohé, Yann! Yann, tu as les coquillages que je t'ai demandé? Tiens, regarde! Ah, moi d'abord, moi d'abord! Ah, c'est bon, là! Tu ramènes ces salmettes qui servent à rien! Oh que si! C'est drôlement utile, les muselières à ménades, tu sais! Wow, wow! Wow! Salmette, va! Maintenant, je te montre ce que je t'ai ramené. Salmette, la salmette! Ça, c'est le dîner. Mais, et mes étoiles? À propos, oncle Patrick a dit de tout préparer. Eh? Déjà? Mais, quelle heure est-il? Bon, ça va. Flemme marque 5 heures. Jean-Sébastien, je ne me rappelle jamais si on met la fourchette à droite ou bien à gauche. Si tu la mets à droite, tu manges avec ta main gauche, alors. Où vas-tu? Réveiller Raoul, ça suffit comme ça. Mon Raoul, mon bébé, c'est encore Jean-Sébastien qui t'a réveillé. Tu exagères, tu sais, Jean-Sébastien. Allons, descends, Raoul. Viens voir ta maman, mon chéri. N'oublie pas de me rapporter 2 étoiles rouges et une violette. T'en auras sûrement. Je vais dans ma maison sous la mer. C'est fou ce qu'il faut comme quantité d'eau pour un seul repas. Je suis déjà toute fatiguée. Suivez-moi tous les deux et vous allez m'aider. Te voir peiner comme ça me donne soif. Un ménate se désaltère dans le courant d'une onde claire. Un koala passant par là. Tombe à la cruche, allons, qu'à la fin elle se fâche. Hey, il est pour lui. Tiens, elle a poussé là, celle-là. Non. Ça vient vers ici et c'est un ballon. C'est un ballon bidon. Oh Jean-Sébastien, va voir ce qui flotte là-bas. Encore? Tu sais bien que j'ai le vertige au-dessus de l'eau. Et puis d'abord, ça se rapproche de ton frère et il le verra bien assez tôt. Oh, c'est gentil mon bébé. Merci pour les jeux.
jumelles. Regarde, il est énorme ce ballon. Il me le faut absolument. Il est tout pointu. Il faut aller le chercher. Je le mettrai au milieu de mon jardin. Raoul, mon bébé, prends la jumelle. Moi, je prends la barque. Yann, ohé, Yann. Marina, tu sais bien que tu n'as pas le droit de prendre la barque. Ton frère n'est pas là. Mais pourquoi? Il est tout près. Je le vois d'ici. Qu'est-ce qu'on risque, Jean-Sébastien? Raoul, allez, viens. Non, Marina, n'y va pas. C'est peut-être dangereux. C'est peut-être un monstre marin. Bouah. Mais tais-toi donc. Tu n'es qu'un moineau, une linotte, un oiseau mouche. Et peut-être un oiseau mouchard. Yann, voilà Yann. Yann, Yann. Va lui dire de venir avec nous. Allez, va. Yann, hé, Yann. Yann. Tu m'entends, Yann? Viens vite. Marina est dans la barque. Elle est en danger. Ah! Qu'est-ce que c'est, Jean-Sébastien? La chose noire, là-bas, là. Oui, j'ai vu, j'y allais. Oh, n'y va pas. Il y a une tête de mort. Ça veut dire danger. Tu n'y connais rien. La tête de mort, c'était l'insigne des pirates. Cette chose doit être une très vieille épave. J'y vais. Oh, ils sont tous fous. Il n'y a que Oum qui puisse les sauver. Oh là là, et mon vertige qui me reprend. Oum, au secours, Oum, Oum, au secours, waouh. Yann, tu as vu le gros ballon que j'ai découvert? Waouh, l'aigle des mers, au secours. Je ne peux plus passer. Ce n'est pas la fin de l'histoire d'un dauphin, et l'on reste sur sa fin quand on entend ce refrain.